Et c'est parti pour GTA 4. Et voilà, c'est parti pour une vidéo test de GTA 4 avec Oliver Oliver Plasma Plasma et Flav. Fireflav. Fireflav 44 pour les intimes. Et c'est un vidéo test, voilà, comme je le disais, de GTA 4, un jeu qui est sorti en 2007, il me semble. Alors la première impression. Sur PS3, oui. La première Je vais impression préciser. de. Oui, sur PS3, sur Xbox et sur Xbox 360 ainsi que sur PC. Alors votre première impression au niveau graphisme déjà. C'est pas mal. Vraiment pas mal, hein. Bah on va déjà C'est. sortir. Ça vous Ouais, fait une parce que impression exceptionnelle. c'est un peu fermé ici. C'est un peu. Voilà. Alors voilà, la ville. Bon, on peut aussi remarquer un espèce de. Quand on tourne, on peut voir un espèce de flou. C'est un peu le style de la PS3. Le style de GTA 4. Alors voilà, la Oui. première impression, c'est que les graphismes sont exceptionnels. Pour. Totalement exceptionnels. Surtout en plus pour un jeu de PS3, l'un des premiers jeux de PS3. Voilà. Et ça change des GTA San Andreas, des anciens GTA de la PlayStation 2. Celui-là est vraiment magnifique. Voilà. Et puis ça fourmille de détails, vous voyez, les cartons. Les voitures, au niveau des collisions, les voitures sont très bien faites. On voit un peu Regardez. d'aliasing, mais ça va, c'est tranquille. Ouais. Alors voilà, je tape dans une voiture, vous voyez, et bah ben, le bonhomme se ramène. Merde, il y a mon téléphone, je t'emmerde. Pardon. Alors Paki est pas content. Eh oui, Flavien sort son téléphone pour se battre. Alors je précise quelque chose. Les policiers sont beaucoup plus coriaces dans ce GTA 4 que dans les anciens GTA. Et déjà, il Alors ne n'arrive les pas à battre provoquez. un gros lard. Eh oui, c'est très dur. Alors voilà, vaut mieux éviter de provoquer. Alors voilà, je suis recherché. On va pas mourir tout de suite. Voilà, je suis déjà recherché par la police. Alors, au Mais niveau des gestions des collisions, où elles sont marquées c'est. les vies sinon? Alors les vies, Mais. tu vois, c'est le cercle là. Ah bon, il reste rien. Voilà. Il reste rien. Bon bah je vais attendre de me faire tuer et tu vas prendre un peu la manette. Même si je n'ai jamais essayé ce jeu, j'ai simplement vu. Alors je vais me faire tuer. Voilà, j'ai des armes parce que j'ai fini le jeu tout simplement. Alors là j'ai mis mode manuel au niveau du tir. Alors Oliver, qui connaît pas trop GTA 4, et ben faut faire ça pour viser et pour tirer c'est rien. À vous la manette Oliver. Let's go. Let's go, ready. Alors là, il sort de l'hôpital, Oliver Plasma. Alors la gestion des collisions, comme je disais tout à l'heure. Vas-y, allez, Oliver Plasma, allez-y, foncez dans une bagnole qui roule. Oui, c'est triangle pour en prendre, c'est ça? Ouais, mais Ouais, bah, un peu foncez comme dans une ça. bagnole qui roule. Toutou. Qui roule vite, hein. Et vous allez voir la gestion des collisions. Alors déjà, voilà, on va prendre une bagnole. Mais je ne sais même pas comment conduire. Alors, vous faites Ah 3. Ah non! voilà, il réagit. Le Et il fils reprend de. sa bagnole. Non! Bon bah, C'est c'est un salaud. un salaud. Effectivement. Enfin, c'est plutôt nous le salaud, parce qu'on a commencé. Merde. Ah, voilà la gestion des collisions, vous avez eu un aperçu. C'est super bien rendu. Et voilà, les flics vous recherchent déjà. Juste parce que vous avez ouvert une portière. Je crois que c'est croix pour avancer. Voilà. Voilà. Alors les radios, au niveau de la bande son, c'est exceptionnel. Alors les effets sonores sont superbes. Dans San Andreas, il y avait des radios vraiment pourries, par contre. Oui, mais c'était des radios diversifiées et des Oui. radios des années 90, mais c'était quand même génial dans San Andreas aussi. Mais dans GTA 4, ils ont su garder la même folie au Ah niveau oui. de la radio. Je n'arrive pas trop à tourner. Alors vous voyez que c'est très réaliste par rapport à San Andreas, c'était où il y avait plus de fun dans San Les effets Andreas. de lumière sont assez bien faits. Oui. Ils sont bien rendus. Et ce qu'on reproche à ce GTA Attack, c'est surtout que bah, qu'il n'y a pas assez de fun par rapport aux À anciens GTA GTA. San Andreas, Voilà, par il n'y a pas exemple. assez de fun. Par contre, du côté en C'est parce réalité, qu'on peut c'est pas génial. conduire des hélicoptères, c'est ça? Si on peut conduire des Si. hélicos, mais pas d'avions, pas Ah de et voilà d'avion. tracteurs. Et faut préciser aussi qu'il n'y a pas de Wow. campagne dans ce GTA 4, il n'y a que de la ville. C'est un peu galère de conduire sur un Alors petit. la ville, c'est bien sûr New York, j'ai oublié de préciser, qui est fidèlement reproduit sur ce GTA Attack, vraiment très fidèlement, avec le Statut de la Liberté, tout ce que Ah vous oui. voulez. Alors une durée de vie assez constante Et de. comme on peut voir, le personnage ne bug pas quand il se fait toucher ou quelque chose comme ça. Merci de m'interrompre.
Alors la durée de vie qui est de 30 heures, voire même plus, parce que c'est une durée de vie infiniment grande. Vous promenez tranquille dans la ville des fois, vous faites quelques petits casses. C'est toujours très agréable de se promener dans cette ville à ciel ouvert, qui fourmille de détails et vous vous sentez vraiment comme une petite fourmi dans GTA 4 parmi d'autres, car la population fait aussi beaucoup de choses. Ils peuvent téléphoner les petites personnes, lire le journal, voir son compte en banque, par exemple. Après, bien sûr, je les tue hein, pour récupérer Et il y a l'argent. aussi les stripteaseuses. Ah oui, les stripteaseuses. J'ai Les oublié. stripteaseuses, hein. Alors, La petite copine de Fireshav. ça m'étonnerait qu'on arrive à les voir, ces petites chéries, mais... Parce L'eau que... est pas mal rendue, surtout les Oui. éclairages, hein. On peut pas aller sous Ah. l'eau comme dans GTA San Andreas, On qui peut pas. témoigne du manque de fun aussi. On va pas dans l'eau parce que t'arriverais pas à remonter, parce que ça va prendre 2 heures. Alors, vas-y, provoque ce mec. Vas-y, tu fais le viseur, et voilà. Essaye de le tuer. Pour changer d'arme, c'est là. On peut voir que les combats sont pas mal. Oui, les combats sont vraiment très jouissifs. Et vous voyez la bande son, c'est génial, il nous Alors que... parle. Alors voilà, pour changer d'arme, c'est ça. Voilà, là t'as un pistolet. Ah, c'est galère. Et voilà, dès que vous sortez votre flingue, et ben le mec, et ben, il se barre. C'est une tapette. Ah bah, je crois que tu feras pareil, toi. De quoi? Donne-moi un peu la monnaie, Oliver. Non, mais tu feras pareil de fuir si t'étais à l'âge régie. Dans l'âge régie. Bien sûr que non, je suis un héros moi dans la vraie vie. Oh voilà, ils se jettent même à la Ouais. mer, ils sont cons parce qu'ils savent même pas nager. Est-ce qu'on peut faire des one shot là? Non. Bon, ça ne marche pas. Alors, vous voyez dans le GTA San Andreas, quand vous tirez dans la tête, et bien la tête elle s'enlève. Alors que là, elle Elle s'enlève pas. explose. Non, elle s'enlève carrément, vous la voyez Non. par terre. Ce qui témoigne bah, que c'est plus réaliste. Mais ils Et auraient dû l'eau. doser fun et réalisme pour moi. Franchement, je trouve que l'eau est vraiment bien faite, mais dans la Ouais. plupart des jeux, l'eau, c'est pas très dur à faire. Alors c'est un petit Voilà. vidéo test, alors on va déjà faire la conclusion. Et merde. Oui, parce Eh oui. qu'il nous reste que 2 minutes. Bah vous pouvez jouer en même temps. Alors, au niveau des graphismes, c'était une vraie révolution. Je donne 18 sur 20 en graphisme. Côté gameplay, ça garde les bases de GTA, ça innove un peu, 17 sur 20. Bande son, une bande son toujours aussi bonne et diversifiée, je dirais 18 sur 20. Le scénario change, car le héros qui est Niko Bellic a beaucoup plus de caractère que les anciens héros. Alors pour le scénario, je mettrais 17 sur Non, 20. Alors voilà, t'es mort. je suis tué dans le buisson. Oui. Et une durée de vie exceptionnelle. Durée de vie, je mets 20 sur 20. Carrément. Pour une note finale, allez, de 17 sur 20. Tout simplement parce que... J'ai été un peu déçu quand même. Ça devait être l'épisode ultime des GTA, des Grand Chef Toto, mais... J'ai pas senti ce petit truc qui m'avait fait renverser... Dans GTA San Andreas. Mais c'est quand même un superbe GTA. Alors bien sûr, tout le monde attend Et GTA il y a 5. aussi les codes, je parie, non? Oui, il y a quelques codes. Le char qui tombe du Mais... ciel, par exemple? Non, 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 ça c'est dans Non. GTA San Andreas. Il y a beaucoup moins de codes que dans GTA San Andreas. Ce qui témoigne encore une fois du manque de fun dans ce GTA 4. Metro Best est maintenant hors ligne. Tant mieux, je voulais pas voir sa gueule. Bon, bah on va vous dire au revoir sur ce vidéo test de GTA 4 et Oliver Plasma va nous faire sa petite au revoir. À la revoyure pour de nouvelles aventures!